iemand ingegaan op ons akkoord, op ons verzoek. Waarvoor dank. Dus meneer Tarabella van de PS, die we een aantal vragen gaan stellen met betrekking tot onze eisen. Donc on invite Marc Tarabella, parlementaire européen du PS. Alors tout d'abord on le remercie parce que c'est le seul qui a répondu positivement pour être présent avec nous. Donc merci. Alors on a quelques questions à vous poser donc, par rapport à cet accord de libre-échange. D'abord, quelle est la position du Parlement européen par rapport à cet accord entre la Colombie, le Pérou et l'Union européenne? Bien, mais bonjour à toutes et à tous. En fait, ik ben de enige Belg lid van het Europese parlement in de landbouwcommissie. En landbouw en vrijhandel akkoord zijn, ik denk dat het vrij akkoord op handel betreft ook landbouw. Et donc la position du Parlement européen dans ce dossier sera importante, fondamentale, elle viendra en dernier lieu. Donc, pour l'instant, les accords se négocient entre la Commission. Et si vous pouvez écrire aussi des cartes postales, faites-le à Karel de Gucht, le commissaire belge au commerce international, parce que lui, il est vraiment en faveur des accords de libre-échange. Et grâce au traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, maintenant, le Parlement a le dernier mot. Donc en dernier lieu, le débat aura lieu au Parlement européen. Il a déjà eu lieu dans la commission du commerce international, mais il continue à avoir lieu, mais quand l'accord sera ficelé, c'est le Parlement qui donnera son dernier mot. Donc vous avez raison de manifester ici devant le Parlement, parce que c'est au Parlement qu'on dira oui ou non à cet accord. Oui. Oui. Oh. Oh. Oui. Et quelle est votre position par rapport à cet accord? Mais ma position est... Je suis quand même parfois téméraire. J'ai toujours le même positionnement, mais si je suis venu... C'est par sympathie pour votre pouvoir, parce que je serai contre cet accord pour deux raisons principales. La première, je vous ai dit que j'étais quelqu'un qui trouve que l'agriculture est probablement l'activité qui demain sauvera le monde si on aide l'agriculture partout dans le monde pour d'abord satisfaire les besoins en nourriture des populations. Et avec les accords de libre-échange, ce n'est pas le cas. Les accords de libre-échange font que c'est l'agriculture intensive qui l'emporte. Et si on devait le faire avec la Colombie, nul doute que ce serait pour chasser les paysans des terres. Et on sait qu'il y en a déjà 4 millions qui ont été chassés de leurs terres en Colombie. Et qu'il y a 5 millions d'hectares qui ont été accaparés. Il y en aura encore beaucoup plus pour semer du soja, pour traverser l'Atlantique et nourrir notre bétail. Et il est d'ailleurs anormal, et voilà un exemple, que la Colombie soit un pays... qui veulent signer un accord de libre-échange, mais qui est obligé d'importer des haricots. Alors, avant de faire des accords de libre-échange, notamment qui sont des produits agricoles, il faudrait peut-être qu'il y ait une autosuffisance alimentaire en matière de denrées de base, telles que les haricots, et ne pas devoir les importer. Donc, ça c'est la première raison. L'agriculture, d'abord, a des fins nourricières, souveraineté alimentaire partout dans le monde. Deuxième, raison, elle est fondamentale, évidemment. Comment peut-on imaginer s'il y a un accord de libre-échange avec le pays qui assassine le plus de syndicalistes au monde? La moitié des syndicalistes assassinés dans le monde le sont chaque année en Colombie. Et quand j'ai dit ça au commissaire de Gucht, parce que je suis déjà intervenu en plénière du Parlement par rapport à cela, sa réponse était de dire « On n'a jamais vu un accord de libre-échange faire reculer les droits de l'homme dans un pays ». Oui, mais je vous jure, allez voir sur le site, c'est sa réponse. J'aurais pu la... Or, évidemment, il faut changer la perspective. Il faut d'abord qu'il y ait un progrès significatif au niveau des droits humains avant d'éventuellement, peut-être, signer un accord quelconque par rapport au libre-échange. Je suis reçu. Alors, il faut le donner de coca. Et au Parlement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cet accord, enfin, est-ce que vous pensez que c'est possible que cet accord ne soit pas signé? Est-ce que vous, au Parlement, vous pouvez avoir un impact? Et si oui, comment?
Oui, on peut avoir un impact. J'ai pris ce bouquin parce que cette semaine, j'ai invité Solidarité Socialiste à venir présenter sa nouvelle hors-série sur... Notamment, cette série est consacrée à l'agriculture familiale, mais pour nourrir la planète. Donc d'abord, l'agriculture à des fins vivrières. Et dedans, d'ailleurs, je prends une petite brochure qui a été faite, c'est concernant la banane en Colombie. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette brochure? Donc c'est par rapport à... Ouais, notamment à des grandes multinationales, et dont on sait qu'en Colombie, elles aident les quelques militaires qui sont là, ben, elles les aident pour maintenir l'ordre, pour faire pression sur les ouvriers notamment. Et ça ne profite pas aux paysans, ça profite à des grosses multinationales. Et donc, dans ce Parlement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est organiser des auditions avec des gens qui viennent de Colombie pour parler de ces problèmes. Et ça, quand ils nous en parlent, c'est très prenant, avec évidemment une violence qui est souvent relatée. Il n'y a pas qu'avec la Colombie d'ailleurs. Les Philippines, j'ai reçu il y a quelques mois, c'est aussi la disparition des personnes. Je me souviens, on est venu me parler d'un cas de Jonas Burgos. C'était vous peut-être. Voilà. Ben voilà. Donc, ça existe dans d'autres parties du monde. Il n'y a pas qu'en Colombie, mais en Colombie également évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est organiser des auditions, vous accueillir. On le fait, et il y a notamment un député britannique de mon groupe politique qui s'appelle Richard Howitt, qui est très concerné par la Colombie et qui organise souvent des événements. Ce qui est important de faire aussi, vous êtes des ONG, c'est de contacter les députés. Vous allez sur le site du Parlement, c'est nous contacter par mail, demander des rendez-vous. Mais c'est d'essayer de convaincre député par député, en fonction si vous avez des relations avec des ONG dans d'autres pays. De tous les pays, il n'y a pas que les Belges, on n'est que 22 sur 754 parlementaires. Eh bien, il faut contacter dans tous les groupes politiques aussi. Il ne faut pas convaincre que les Verts, les anciens communistes et les socialistes. Majoritairement, on va être probablement contre cet accord. Mais il y a aussi les partis de centre, du centre-droite et de droite. Je vois qu'il y a beaucoup de syndicalistes verts, la CSC en Belgique. Mais c'est de contacter aussi les syndicats frères dans d'autres pays, parce qu'il va beaucoup faire, il va falloir beaucoup aussi faire pression sur toutes les familles politiques, y compris le Parti populaire européen, qui est le plus grand parti. C'est les chrétiens démocrates au Parlement européen, et eux, c'est la plus grande famille politique. 265 membres, un tiers des membres sont du PPE. Et donc, heureusement, il y a des syndicalistes qui peuvent faire changer d'avis certains membres du PPE, qui sont plus à droite sur l'axe politique, parce que cet accord n'est pas encore acquis. Le Parlement aura son mot à dire, donc les élus sont là pour ça. C'est pour qu'on les titille, pour qu'on les informe, en espérant que la décision puisse être celle que vous attendez. Un grand merci pour ce... Met dank aan meneer Tarabella, die er ons op heeft gewezen dat het van belang is om... te lobbyen bij alle politici, maar ook bij alle politieke fracties in het Europees Parlement. Niet alleen de traditionele linkse fracties, maar ook de centrumfracties, zelfs de centrumrechtse en de rechtse fracties, om tegen dat akkoord te gaan stemmen. Want het akkoord zal gestemd worden hier binnen het Europees Parlement. We hebben ook nog een aantal gasten uit het buitenland, uit de drie landen, waar wij actie rond voeren, dat is Colombia, dat is Guatemala en dat is de Filipijnen. Ik stel ze even aan jullie voor. Uit Guatemala hebben we Claudio Buanerges Batres. Dat is een syndicalist van het CGTG die hier is via Wereldsolidariteit. We laten hem eventjes uitleggen wat hun problematiek is en... wat het belang is van internationale solidariteit daarvoor. Ja, goedemiddag. Ja, wij verwelkomen Claudia Batres. Hij is dus lid van de CGTG. Is daar algemene secretaris voor de publieke sector en verantwoordelijke voor vorming en mensenrechten. Claudio gaat ons een beetje uitleggen hoe de situatie van syndicalisten is in Guatemala. Wat nu met het nieuwe perspectief naar de nieuwe president, hoe zij dat zien, hoe zij dat aanvoelen.
En de situatie, ja, dus...